Salut les VOD. Alors du coup, on a dit aujourd'hui, c'était le jour du marchand, et on achetait enfin les graines pour le jardin. Du coup, je commence par ça, vu qu'on est le matin, comme ça je suis pas pris par autre chose, et je n'oublie pas. Parce que ce serait dommage d'oublier encore une fois, pardon. En plus, si ça se trouve, le marchand, il aura des requêtes. Du coup, on va d'abord demander au marchand. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'on a vraiment le droit d'utiliser le jardin? Et si oui, qu'est-ce qu'il veut? Alors, vraiment, le droit d'utiliser le jardin, on est dans un jeu vidéo. Il n'y a pas de raison qu'il nous refuse. Ça, hic! Salutations, villageois, hic! Si vous êtes de l'arc, j'en ai trop, je peux vous proposer des choses fabuleuses, rares et de bon goût. Bic. Acceptez mes plus plates excuses, mais je n'achèterai pas vos marchandises, sauf si c'est des trucs de valeur. Mais je doute que vous puissiez trouver des choses comme ça dans le coin. En fait, je suis nouveau ici, tout le monde me prend pour le gardien de cimetière. Mais je viens d'un autre monde et je dois y retourner. Je vous comprends que trop bien. Ce monde n'est pas le mien non plus. Oh Dieu merci. J'appartiens à un autre monde de grandeur, les palais de la ville. Mais je n'ai pas la chance d'être de haute naissance et du coup, je dois gagner ma croûte ici, dans cet enfer qui pue l'oignon et la patate. Lui faire peur pour son histoire, ok. Lui parler du jardin, commercer. Lui parler du jardin. Oradric m'a donné la permission d'utiliser le jardin près de l'église, mais je dois discuter des termes avec vous. Oh, j'avais complètement oublié ce poids mort. Il ne m'a pas coûté grand-chose, à vrai dire. Ah, mais il a plu le hockey. Mais bon, c'était il y a tant d'années, et avec l'inflation, et compte tenu de la qualité du sol, il a pris pas mal de valeur. Voyons, que diriez-vous de 10 pièces d'or? 10 pièces d'or? C'est beaucoup trop, j'ai pas du tout ça. Oh, ça fait trop. Ok, ok, 5 pièces d'or alors? Mais j'ai toujours pas 5 pièces d'or. Je n'ai pas beaucoup d'argent, peut-être pour nous trouver une autre sorte d'arrangement. Je vois, vous êtes un pauvre homme qui cherche à se faire un peu d'argent dans l'agriculture. Nous pouvons discuter des termes de votre loyer, mais d'abord, voyons ce que vous valez comme fermier. Passons à un accord, livrez-moi des carottes, des choux et des betteraves. Donc carottes, choux, betteraves. Après cela, je pourrais vous considérer comme un partenaire d'affaires sérieux. Nous établirons alors un accord qui nous sera à tous deux profitable. Qu'en dites-vous? D'accord. Dès que j'aurai ma première récolte, je vous l'apporterai. Une dernière chose. Si vous avez le temps, je souhaiterais vous demander un petit service. On va lui faire soigner son hoquet parce qu'il en a plus. Donc c'est bizarre. Bouh! Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui vous prend? J'essayais juste de vous aider à vous débarrasser de votre hoquet. C'est complètement idiot, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Ce steak d'aileron de requin que j'ai mangé ce matin était tellement délicieux, mais je dois reconnaître que les ailes de papillon frites étaient bien plus raffinées. Vous avez l'air d'aller mieux maintenant, après ma petite attaque surprise. Ah bah oui, on dirait bien. Que puis-je faire pour vous, mon ami? J'aime la nourriture de qualité, mais ces derniers temps, il m'arrive d'avoir des petits problèmes d'estomac. Après un bon dîner, j'attrape systématiquement le hoquet. Ça me rend fou. Un collègue du club des amateurs de vin m'a dit que l'herbe à hoquet pourrait m'aider. Il me semble qu'il y en a plein dans les marais. Je vous serai très reconnaissant si vous pourriez m'en rapporter. Pas de problème, je vais essayer de vous en trouver. L'herbe à hoquet, d'accord, il en faut une. À propos de notre accord, carottes, choux, betteraves, interroge à propos de graines. Où pourrais-je acheter des graines? Je ne vends pas ces trucs bon marché. Vous devriez pouvoir trouver des graines de mauvaise qualité dans une ferme des environs. Si vous avez besoin d'argent, je peux vous prêter 5 pièces d'or. Mais maintenant, pièces d'argent maintenant, et vous me rembourserez 10 pièces d'argent. Non, deux fois le prix. C'est pas cool. Merci, mais ça ne me paraît pas très juste.
Donc 10 betteraves, 12 choux et 12 carottes, ça fait beaucoup. Commercer, qu'est-ce qu'il peut m'offrir lui? Des bijoux en or, ah oui quand même. Graines de vigne, poisson royal. Bon, les vignes, hein, il y en avait peut-être sur la hauteur, mais pour le moment, c'est pas ma priorité. Il y a un œuf sur le toit où je rêve. Ah, il y a l'âne. Je l'ai pas vu passer. Alors. Ah oui, l'astrologue, c'était aussi pour les papiers et crayons. Bon, bah tant pis. Commercer. 1,50. Et je m'en fiche. Termine l'offre. J'ai 5 pièces d'argent, je suis riche. Oui, les cornes, donc on a vu le marchand aujourd'hui. Et donc on a dit 12 choux, 12 carottes, 12 betteraves. On va acheter ça, je sais pas combien ça produit. 3 fois 4, 12, du coup on va prendre 12 graines de chaque au total. Vu qu'il faut 4 graines par truc, en se disant... Ouais, on va se dire qu'une graine égale un fruit. Alors, graines de choux, graines de carottes, graines de blé, je m'en fiche. Graines de betterave. Alors, j'en ai 8, 9, 10, 11. Ça m'en fait 11, c'est pas cool. Parce que j'en ai 3, c'est ça. Bon, bah ça, j'en prendrai un peu moins. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, attendez. 4. Ça m'en fait 4. On va commencer comme ça. Ah, le prix a augmenté de 1. Super. 1, 2, 3, 4. Et là, il m'en manquerait 1. Donc, on va s'arrêter 4. Alors, graines de carottes. On a dit 12. 9, 20, 32. Alors, entre 9 et 20, il y a 11. Et entre 20 et 32, il y a 12. Ouais, en fait, plus j'en achète, plus c'est cher. D'accord, je pense que c'est partout pareil du coup dans ce jeu. Voilà, et ça, est-ce que je prends du blé? Tant qu'il a des graines et que je suis pas ruiné. Ça coûtera quand même 4,31. Ça commence à faire cher quand même. On va pas acheter le blé, c'est pas utile pour le moment. Terminer l'offre. Ouais, j'ai plus que 2,48. 2 pièces d'argent et 48 pièces de bronze. J'ai entendu la cloche. C'est que l'âne a fini sa livraison. Bon, on n'est pas à laisser pourrir un cadavre près. Hein. Quelques heures. C'est pas grave. Planté. Alors, du coup, on va planter. On va planter les bêtes. Non. On va planter le chou tout en haut à droite. Non, les carottes, allez. Les carottes. Voilà. Planter des carottes. Et planter des carottes. Ok. Ensuite, on va mettre le chou ici. Et les betteraves ici. Je peux les planter que par deux. Voilà. Je creuse partout et après je plante et je vais chercher le cadavre. Alors, donc ici on a des betteraves. Betteraves. Et le chou. D'accord. Le chou.
J'ai l'air d'avoir pas mal de technologies que je peux. Enfin, pas de technologie, mais de points de technologie dépensés. Du coup. Alors, du coup, le crâne, ça rajoutait un crâne rouge. Non. Oh, je sais plus. On va extraire la peau. La peau, ça transforme un crâne blanc en crâne rouge. On va le laisser comme ça parce que sinon, ça va encore faire du négatif. Ça va pas être pratique pour augmenter à plus 5. Ok, il va me falloir encore un. Une pierre tombale. On a dit même peut-être plus d'une pour remplacer ou alors des réparations, on verra. Alors, ça je peux toujours pas le mettre. C'est bizarre, ça disparaît pas, c'est pas. C'est pas cool. C'est pas normal, on va dire. Kit de réparation. Ah! C'était la pierre surtout. Ah oui, là il faut des machins métalliques. Je crois que c'est là qu'on peut en faire. On va en faire quelques-uns. Tac. Ah non, il faut de l'autre ressource. C'est quoi? Là. Il y a plus de chances que ce soit ici. Juste pour voir. Non, non, je trouve même pas. Schéma de stock minerai de fer. Récolte charbon, peut-être extrait des veines de charbon de montagne. Récolte minerai de fer, peut-être extrait des veines de fer de montagne. Non. Non, c'est pas ça, c'est pas la cuisine. C'est plus marron que ça, donc c'est pas du marbre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne trouve pas. Tant pis, je crois. C'est quoi ça? Agriculture, schéma plate-bande avec des bâtons. Ça doit être pour les schémas mâles, plate-bande avec des bâtons. Les bâtons, ça doit être pour mettre des vignes. On n'est pas pressé. Repiquage, emplacement pour pommiers, emplacement pour buissons à baies. C'est un peu loin, mais c'est pas grave. La cire d'abeille et le miel. Ça, il y a le fou là qui en veut. On va prendre. Schéma tas de compost, recette tourbe fabriquée à tas de compost, recette asticot. On va le débloquer parce que faut que je débloque un peu là. Pour le moment, j'ai bien avancé, mais faut que je débloque un peu plus de choses, je pense. Enclume, des pièces de fer complexes et un burin en fer. Je m'en fiche beaucoup pour le moment. Ça, par contre. Pelle, pioche, hache. Ça peut être bien de pouvoir les refabriquer. Quand j'aurai besoin de pièces complexes, je viendrai là. Du verre, je sais. J'en ai pas besoin non plus. Ça, on a vu. Ça, on s'en fiche pour le moment. Bon, on va extraire le sang et la graisse, même si.
souvenir de tout ce qui, ce que ça change, c'est compliqué. Si, on va peut-être le prendre pour avoir un burin, on va voir ce que ça fait. Et c'est pour dépenser aussi pas mal les ressources. Et exploitation minière. Ok. Voilà, je suis revenu à peu de ressources, on va dire, de technologie. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, je voulais faire... Qu'est-ce que j'ai sur moi? Voilà, il faut que je fasse... Mince, deux pierres tombales, pas une seule. Du coup, il faut que je dorme. Est-ce que... je peux en faire qu'une seule. Non, il veut pas, bon. Alors, là... J'ai les billes de bois, là. Ouais, les billes de bois, je vais poser. Faire simple. Lingot de fer. Le jour du scarabée, c'est... Monsieur Scorpion. Monsieur Serpent, je veux dire. On n'en a pas besoin. Enfin, on le voit dans les souterrains qu'on ne peut pas accéder. Donc voilà, pas besoin pour le moment. Je me sens rafraîchi. Je sais pas trop à quoi ça peut servir de cuisiner. Enfin, bon, je vais gagner de l'énergie, mais à part ça, je vais me faire quelques planches de bois. Ah, et j'ai besoin de planches de bois pour faire des kits de réparation. Voilà. Du coup, non, peut-être pas 10, mais pomper toute mon énergie. Oh, quoique, ça descend moins vite que d'autres choses. Alors. Ça, je finis ça. On va faire... Ah, ça fait par 4. Bah, on va faire 4 kits de réparation d'un coup. Pour le bois. Et on va faire... Ouais, bon, j'en aurais peut-être dû en faire qu'une. C'est pas grave. Et voilà, déjà envie de dormir. Je vais voir du coup un peu ça. Alors, 12 d'énergie, 11 d'énergie. Ça, je peux faire. Je peux rien faire en fait ici. Faut sûrement passer d'abord ici. Si je fais de la viande tranchée crue, qu'après j'ai vu on pouvait passer en viande cuite, ça me demandait ouais de l'énergie. Bon, on va se coucher tôt aujourd'hui. Alors on se sent rafraîchi. Jour de l'homme. L'homme, c'est l'inquisiteur. Il veut du bois de chauffe. Et des prospectus. On va lui apporter du bois de chauffe. Du coup, on finira le cimetière plus tard. Alors, bois de chauffe, je crois que c'était ici. Non. C'était où le bois de chauffe? Ah non, c'était à droite. Il en veut combien? Il veut 20 bois de chauffe. Et moi j'en ai besoin pour l'intérieur et le fourneau. On va en faire 30. Voilà.
chagrine. Je vais faire un début de dos, comme ça, lui est rentré. On est encore le matin, donc je pense que il n'est toujours pas là. J'ai le temps d'améliorer le cimetière un petit peu. Alors, est-ce que je peux mettre tout dedans? Et ça aussi. Non, je veux pas mettre le crâne. Voilà. Et là, faire tombe. Oui. Alors, je suis à moins 3. Hop. Hop. Réparer. À moins 1. Non. Ouais, lui, ça, il fait du moins 2. Mince. On peut le passer en 0 pour le moment. Voilà, donc plus 1. Lui, il est intéressant. Ah, mais j'ai déjà plus de... Ça part tellement vite. Les marqueurs en bois ajoutent 0,4 sur 1. Ok. Donc lui, il rajoute 1. Alors que le monsieur, il en a plein. Moi, je peux le retirer. Autant lui mettre une croix en bois ou une pierre tombale. Et la clôture, par contre, en bois, je peux pas en faire d'autre qu'en bois. Voilà. Voilà, lui il a plein de crânes aussi, la croix en bois met à 2. Lui, si je teste, la pierre tombale rajoute 2, donc c'est intéressant. Enfin, je vois pas trop la différence entre la croix en bois et la pierre tombale. Peut-être que entre bois et pierre, il y en a un qui se consomme plus vite ou quelque chose comme ça. Bon, bref, du coup, il me faut 1, 2 kits pour la pierre. C'est bien. Ouais, 2 kits pour la pierre et... 1, 2, 3, 4, quitte pour le bois. Les jours de l'homme, on va voir l'inquisiteur, on va lui vendre notre bois de chauffage. Et j'aurai un cadavre, mais ça sera pour demain. Vu que je n'ai plus d'énergie, j'ai même pas coupé la viande pour espérer en faire quelque chose. Alors, j'ai du bois de chauffe. J'apprécie votre aide, même si je dois payer pour en bénéficier. Mais les prospectus, je sais même pas comment on en fait. Je verrai plus tard. Non, je suis repassé par le mauvais endroit. Chaque fois. Alors, lui, il a 2 crânes blancs, 1 crâne rouge. La peau, on a dit que c'était pas forcément bien. Je crois que l'os... La chair enlève 1 crâne blanc. On peut tester le sang et la graisse. On va tester le sang. Putain, t'as la seringue, hein, on t'enlève un peu de sang. Pas grave, tu restes en l'état.
façon, t'es mort, hein. Tu veux pas te plaindre. Ça va être la journée de la lune, on va peut-être aller à l'astrologue, mais pour la VOD, ça, on va couper là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous aimeriez que j'améliore, me dire qu'est-ce que vous aimez, ce que vous avez aimé moins. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. A plus.